Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kingdom. Nous en sommes au jour 41 et nous étions en train de foncer sur la droite gauche pour aller déclencher l'attaque sur le portail à gauche. Et je pense d'ailleurs que c'est le dernier portail. Par contre, c'est un peu compliqué parce que le temps d'aller jusque là-bas, la journée s'est déjà terminée. Ça nous prend un jour complet pour faire le voyage. Mais bon, c'est pas grave, on va s'en sortir sans. Bon, nous avons des bonnes défenses ici, même si elles sont pas parfaites. Et je voudrais déclencher avant que les mecs rentrent. Voilà, parfait. Parce que là, de toute façon, cette nuit, normalement, il n'y a pas d'attaque. On va en profiter pour upgrader ça, vu qu'on est sur la route. Voilà. Ça aussi. Ça aussi. Ok, ensuite, on va rentrer au centre. Refaire le plein d'archers, s'assurer que tout le monde a de l'équipement. Voilà, prendre le marchand, parce que l'avantage du marchand, c'est vu qu'il nous donne 4 trucs, si on a des gens qui débarquent entre-temps, qu'on aura embauché, ben comme ça ils auront l'équipement, peu importe le genre d'équipement, au stade où on en est, on s'en fout un peu. Nous, ce qu'on veut en tout cas, c'est que les arcs soient pleins au max, à chaque fois qu'on y passe. Ça nous prend la moitié d'une nuit pour retraverser le royaume. Oh là là, tout ce peuple. Hein. Eh ben dis donc. Ça lag tellement que j'ai du mal à désigner le truc pour... Ah bah j'ai plus de pièces. Et il nous en reste de quoi en mettre une. Merde. Rends-moi ma pièce. Merci. Voilà, donc là on a le max, je pense que tout le monde est équipé, formidable. On va juste vite fait faire le plein. Vous n'avez pas des pièces vous? Tout ça là, si, voilà, vous en avez. Je me demande si quand même les mecs peuvent pas stocker une quantité maximale de pièces. Depuis le temps que c'est fermier, je leur ai pas pris des pièces, je me dis que... Ou alors peut-être que ça se répartit, c'est-à-dire que les mecs les laissent tomber et puis c'est des archers en passant qui les ramassent. Possible aussi ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On garde un œil sur nos chevaliers. Je pense d'ailleurs qu'on va s'assurer qu'on est bien au maximum de nos capacités. Bon, ça j'ai pas besoin d'en développer si j'en voulais. Donc, vous savez quoi, on peut peut-être mettre quelques constructeurs supplémentaires qui nous permettent de dépenser un peu nos thunes. On va faire du recrutement encore. On est quel jour? 30, 42 déjà? Ah bah c'est un bon jour ça. C'est le jour de la vérité. Pauvre cerf qui voulait juste vivre. Il n'a rien fait de mal. Voilà, putain, j'ai réussi à l'embaucher celui-là, c'était chaud. Hein. Oh là là. Ça déborde! Ça déborde! Arrêtez! Bon, tout va bien de ce côté, donc vous savez quoi? Allez-y. Merde. Donc maintenant on va rentrer au centre et on va constater que nos chevaliers sont morts sur la gauche. Ah, c'est que 42. Ah putain, j'ai oublié de vérifier que... Les chevaliers vont bien à gauche, vont bien à droite.
Bon, à droite, c'est normal, je viens de les déclencher. Est-ce que je fonce au statut maintenant? Je pense que oui. On va essayer d'aller au statut vite fait. Et bien deux jours, j'y suis pas allé, je pense. C'est dommage parce que j'étais déjà dans la direction. Pas mieux fait d'y penser avant. Il va falloir que j'attende que cette nuit se termine avant d'y aller. Y a pas d'attaque par ici. Je crois que voilà. Voilà. Ça c'était bien joué. Par contre ça devait être mes deux chevaliers justement. Je pense pas qu'ils aient détruit la porte. Ça m'étonnerait fortement. Ah oui, jeter un œil quand même tant qu'on est pas très loin. Pas réussi. Ça c'est parce que j'ai déclenché l'attaque trop tard et surtout qu'apparemment il n'y avait pas le boost des archers et dans ce cas là c'est mort quoi. En fait s'il faut ils sont même pas allés jusqu'à la porte, ils ont dû se faire tuer par la vague de la nuit. Alors on vient, on est quoi? On est jour 43, donc c'est bon, normalement pour la prochaine lune rouge on a ce qu'il faut. Par contre tous ces gens là, on n'a plus de chevaliers, donc on va vite rentrer au centre pour les réembaucher les chevaliers. Profiter pour manger un morceau, voilà. On y va. C'est quand même pas évident, malgré notre taux de développement ça reste pas évident de réussir. Bah, je veux dire, hier on était développé à peu près comme ça. Vous vous rendez compte, j'ai réussi à perdre. Mais comment? Je suis allé regarder comment les mecs se battaient à la porte. Le truc, le flux est sorti. J'avais pas tant de thunes que ça sur moi. Du coup, les mecs, ils m'ont pris la couronne, ils se sont barrés, j'ai perdu. J'étais mais la blaze ultime, quoi. Donc on a perdu les chevaliers de ce côté, mais pas de l'autre. Ça me surprend beaucoup. Je tiens à le dire. On va aller voir. S'il faut, ils ont pété la porte. Ils ont réussi à retenir l'attaque. Et c'est des grosses machines, quoi. Ça voudrait dire qu'on est tranquille sur la gauche, dans ce cas. Allez. Embauchez-moi tous ces gens. Voilà. On va en profiter pour faire ça au niveau max. Voilà. Et nos chevaliers sont là. On peut pas manger, pas besoin de manger. Et la porte n'est plus activable. Ça veut dire qu'ils ont détruit la porte. Et qu'il n'y en a plus de ce côté. Donc ça veut dire qu'a priori on est sain et sauf si on s'avance. La porte est détruite. Et nous sommes au pont. Donc c'est parfait, il nous reste plus que... Il nous reste plus que la droite à finir. C'est peut-être même la dernière porte à droite. Jour 43. Donc l'avantage c'est qu'on n'a plus besoin de venir à gauche. Sauf peut-être pour du recrutement, mais même pas forcément très intéressant. Faisons le plein avec notre cheval. Parce que normalement les monstres sortent des portes. Donc maintenant ils peuvent plus que sortir que de la droite normalement. Au moins que j'ai rien compris au jeu. On va se prendre le marchand tant qu'à faire sur la route. Voilà. Par
Parfait. Oh, comment ça rame? Ça lag, c'est l'horreur. Non, ça va. Donc prochaine lune rouge, on déclenche l'attaque, je pense, à droite. Et on va faire le plein d'archers. Faire le plein de statues. Et j'en vois encore au moins un. Voilà. Et on y va. Je vois encore pas mal de mecs qui n'ont pas d'équipement, qui sont en train de voyager. Ça, ça sent l'attaque qui s'est mal déroulée. Hein. Ah, voilà mes chevaliers, très bien. Avec leurs archers, parfait. Oh putain, c'est énorme. Allez, on va aller vite fait au statut. Honnêtement, ça me dérangerait presque pas de défricher pour pouvoir avancer de ce côté-là. Hein. Défricher jusqu'à enlever ces mecs-là. Parce que là, ça a l'air d'être intéressant. Il y a un monticule et une tour devant, donc je trouve ça vachement plus intéressant d'avoir des tours devant. Donc c'est ce qu'on va faire. On va défricher un petit peu cette zone. Donc on est jour, ouais, c'est deux mal attaques. Hein. Donc même si on perd ce truc, on s'en fout. On a suffisamment de villages à l'intérieur de notre royaume pour gérer nos effectifs. Nos effectifs sont largement bons, je veux dire, on n'a pas de soucis quoi. Hein. Donc là c'est bon. J'ai juste à attendre que ça se défriche. Peut-être que dans la journée de demain, j'ai le temps de construire le mur. Bah vous savez quoi, on va peut-être tenter de faire celui-là. Vient de tomber. J'ai bien fait. Voilà, en plus le mur vient juste d'être terminé, parfait. Je pense que c'est bon là, il n'y en aura pas plus dans cette attaque. Allez, dernier niveau, hop là. Aïe, oh merde. Je les tire. Il y a du monde quand même là. On va faire le plein, nous. Voilà. C'était un peu couillu quand même de faire ça. Allez, finissez-moi ça, merde. Voilà, je préfère moi prendre le pet avec tout l'or que j'ai, c'est bon. Je peux l'encaisser, vous voyez. Allez, construisez-moi ça et ça. Je pense que ça sera beaucoup mieux pour survivre à la prochaine nuit. Et on va désigner ça aussi. Allez. Faire le plein d'or. Voilà.
Voilà. Ok. Comme ça, ça nous fera quand même plus de défense. Vu que ce côté droit a tendance à un peu avoir du mal à tenir. Allez. Vous pouvez le faire. Encore la journée. Voilà. Le mur est terminé. La tourelle, je crois que c'est le dernier niveau. Vous pouvez pas amener le... Voilà, ça, ils sont en train d'amener la catapulte, superbe. Et par contre, ça serait bien que j'ai des archers qui viennent dans mes tours quand même. Ça, on est jour 44. 45, pardon. Donc c'est bien ce soir la prochaine attaque. Par contre, j'ai l'impression que cette tourelle ne va pas se remplir du tout. Ça m'enquiquine un peu beaucoup. Il y a un archer, deux archers, trois archers. Le problème c'est que tous les autres archers ils sont dans la forêt. En train de se toucher la nouille. Voilà, j'en vois trois autres qui sont en train d'aller dans la bonne direction. Quatre même. Ouais, ce qu'on va faire vite fait, parce que nous on veut, ça sert à rien qu'on reste sur le front pour cette nuit. C'est au petit matin qu'il faut qu'on y aille. On va rentrer faire recrutement. Ça voulait bien ne pas trop laguer. Recrutement. Ah putain. On fait le plein. En espérant que cette nuit se passe bien. Ok. Oh là là, le lag. Voilà. Et on va refoncer. Ah, c'est bon. Bon, je suis gavé, donc même si je me fais attaquer, ça devrait aller. Donc la nuit se termine. Je vois pas de mort pour l'instant. Bon voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un break là. Et du coup, j'imagine que prochain épisode, on va lancer l'attaque et on va voir. Enfin, en espérant que mes chevaliers soient toujours là. J'ai même pas vu, j'aurais mieux fait avant de repartir de regarder si les bannières des chevaliers étaient toujours présentes. Bon, c'est pas grave. Merci à tous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour le prochain, peut-être même dernier épisode de cette série. Allez, salut à tous!